Bonjour et bienvenue au niveau 1 de cette formation en automatisme industriel. Orienté contrôle, manipulation et programmation des automates CMS à l'aide des TIA portables. Ce niveau comporte 3 modules répartis comme suit. Dans le module 1, on vous présente l'environnement de développement TIA portal et ses différents logiciels intégrés qui vous permettent de programmer, modifier et diagnostiquer votre installation industrielle. Vous apprendrez également comment créer et tester vos programmes en langage FBD, en langage ladder et en Grasset, qui sont des langages de haut niveau basés sur les éléments graphiques permettant de créer des commandes de séquences clairement et rapidement en utilisant des symboles. Par ailleurs, vous utiliserez aussi le langage SCL, qui est une dérivée d'un langage de haut niveau, sans oublier le langage STL, basé sur du test pour vous permettre de programmer ou d'interpréter un programme automate d'une installation, quel que soit le langage utilisé. Vous apprendrez aussi bien à organiser votre programme à l'aide de blocs fonctionnels et des blocs de données, afin de maîtriser comment le système d'exploitation de l'automate communique entre ces différents blocs et les périphériques externes. Toujours dans ce module, vous pourrez mettre en place sous TIA Portal une architecture réseau comprenant plusieurs protocoles de communication comme le Profibus, le Profinet et même ASI. C'est-à-dire que vous apprendrez à modéliser un contrôleur avec des périphériques décentralisés ou des interfaces homme-machine communiquant sur différents protocoles, ce qui vous permettra de vous connecter et superviser votre installation automatisée depuis un poste central. Dans le module 2, vous apprendrez quelques fonctions de diagnostic qui sont disponibles dans TIA Portal pour vous permettre de diagnostiquer les défauts dans une installation industrielle. En utilisant par exemple le diagnostic du système intégré, permettant la localisation rapide des anomalies avec un tracé de courbe, ou bien en utilisant le serveur web et le tel service pour effectuer des diagnostics à partir de n'importe quel téléphone ou ordinateur connecté sur Internet. Afin de régler efficacement et rapidement les problèmes détectés sans pour autant être présent sur le site de production. Dans le module 3, vous apprenez à programmer, configurer et modifier les programmes des systèmes d'entraînement avec TIA Portal afin de respecter le besoin spécifié par le cahier des charges de votre application. Consultez le programme détaillé de chaque module en cliquant sur l'onglet détails juste à côté. Faites le choix de votre module, inscrivez-vous, formez-vous à votre rythme avec votre encadreur et obtenez votre certificat de suivi en fin de formation. N'oubliez surtout pas de contacter directement le service T-Learning au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran pour plus d'informations. Merci pour votre attention et bonne formation à tous.